4 mai 1959, en soirée, au Festival de Cannes, a lieu la projection officielle des 400 cours. C'est un triomphe. Le Festival 1959 consacre la nouvelle vague comme événement public. Moteur. Tout est puisé dans la réalité, rien n'est inventé. Ce qu'on filme, c'est la vie, et la caméra, c'est l'art. Ou alors le con. Ou le contraire. J'ai vu jouer à bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens. Il y avait des tabous, des lois comme ça, c'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur. C'est épouvantable, c'est grotesque. Ça me met en avant sur son temps, je pense. Antoine Doinel. Oui, moi j'aime ça, les jeunes. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux, très près du documentaire, avoir le moins possible de travailler, fonctionner avec le minimum de fiction. Il y avait certaines légendes, alors il était bon de détruire ces légendes. Alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français renaisse.